riviste di semiotica o di che è un'occasione, dei numeri speciali, è un'occasione per leggerci e discutere un po' insieme in questo lungo periodo di assenza dal contatto fisico. E in particolare questo numero è particolarmente adatto, oggi presentiamo Degré, è particolarmente adatto perché la sua tema monografico è crise sanitaire et marqueur sémiotique, la variation. Questo tema della variazione è diventato straordinariamente di attualità in questo periodo, dato che, come sapete, il virus si è sviluppato e si parla correntemente della variante inglese, della variante sudafricana, della variante brasiliana. Quindi, forse senza volere, questo titolo sulla variation è stato particolarmente felice. Sul contenuto del numero parleranno poi forse Andrea Elbow e Stefano Iacoviello. Io sottolineo solo il fatto che non si parla solo di Covid, non si parla solo della pandemia, ma per esempio c'è un lungo articolo lunghissimo di Jacques Fontanier, che doveva essere con noi, sulla verità in qualche misura, che tocca il tema, ma evidentemente è di carattere più generale, come anche il testo di Boussac, e quindi è particolarmente interessante poter discutere di questi temi. Io lascerei la parola, chiederei a André Elbow di presentare la rivista, la sua filosofia, come si può scrivere su Degré, qual è la sua diffusione. Ricordo che è una rivista arrivata al suo 49° anno e quindi è una rivista, diciamo, storica veramente, nel vero senso della parola, delle nostre discipline. A te, André, se vuoi intervenire, grazie. Merci Isabella. Donc je vais essayer d'être assez bref pour vous rappeler, comme vient de le dire d'ailleurs Isabella, que Degré est pratiquement une des plus anciennes revues de sémiologie, puisqu'elle va entrer, comme Isabella l'a rappelé, bientôt dans sa 50e année. Une revue est en quelque sorte un phénomène sociologique, hein, parce qu'elle répond toujours à un contexte, donc sa naissance ou sa disparition est toujours liée à une épistémologie ambiante. Il faut rappeler donc que Degré est né dans le début des années 70, à un moment où le grand philosophe des sciences Thomas Kuhn aurait appelé un moment pré-paradigmatique. C'est le moment où toutes les disciplines se préoccupent de problèmes, de problématiques convergentes. Et bon, en l'occurrence, début des années 70, il y avait le poids de la linguistique structurale, tout le questionnement sur le fait que la linguistique structurale pouvait interroger elle-même d'autres disciplines et provoquer des décloisonnements. Je vous rappelle que Degré a été fondé pratiquement un an ou 2 ans avant qu'Umberto Eco n'inaugure le premier congrès de l'AIS. Et lors de l'inauguration du congrès de l'AIS, il disait que la sémiotique était une goulue, hein, une discipline
qui était un vampire, qui se nourrissait du sang des autres. Cette question, en fait, des frontières, du rapport aux autres disciplines, du métalangage, était évidemment dans l'air du temps. Par ailleurs, et Grémas parlait d'ailleurs de disciplines englobantes, hein, pour la sémiotique, pour la différencier des autres disciplines. Il faut rappeler aussi que les créateurs, les écrivains, les plasticiens à l'époque, étaient eux-mêmes préoccupés par ces questions des relations interartistiques, du métalangage, etc. Et tout ça fait apparaître la nécessité de créer à l'époque une revue qui était essentiellement un lieu de débat. Et donc sa philosophie, c'est celle-là, d'ailleurs le sous-titre de Degré, c'est revue de synthèse, d'une part, d'orientation sémiologique, d'autre part. Donc c'est un lieu, au départ, c'était un lieu de rencontre entre chercheurs et praticiens, qui a d'ailleurs convoqué une équipe fondatrice. Je vais rappeler quelques noms parce que ils sont très significatifs de l'orientation. Il y avait des sémioticiens et Umberto Eco, par exemple, était fort impliqué dans la création de la revue. Il nous a donné d'ailleurs au départ certains textes qu'il a retravaillés par la suite, dont son texte sur la langue parfaite. Mais à côté d'Eco, il y a dans le comité fondateur Michel Butor, qui est un écrivain français et des critiques littéraires comme Françoise Guyon, qui apportait un autre regard. En tout cas, il y avait un autre horizon. Alors il y a des linguistes comme Chomsky ou comme Daniel Héroux qui font partie de ce comité, des philosophes du langage comme André Jacob, des critiques littéraires comme Jacques de Decker. Donc le panel était extrêmement large, et les premiers numéros, la revue a évolué par la suite, mais les premiers numéros alternaient à la fois des illustrations plastiques, des textes de praticiens et des textes scientifiques. Et très rapidement, la revue a fait son trou. Je vous montre, alors là, c'est un élément historique, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le numéro 1 de la revue, avec la couverture de Vasarely, déjà. Vasarely, puis son fils Ivaral, nous ont pratiquement accompagnés tout au long de l'aventure. Et je dirais que la revue s'est d'abord définie comme un objet physique. Je dis souvent par une... C'est une boutade, mais quand on me demande de définir la Degré, quelle est la philosophie de Degré, ben c'est la seule revue dont on peut mettre les pouces dans les marges sans occulter le texte. L'objet revu, la pagination, qui est une pagination alphabétique, son titre inspiré d'un roman de Butor, la typographie, l'idée de la lettrine. L'originalité de la revue, elle est aussi plastique au départ. Et puis, donc, ce qui explique que le format papier a été très important pour nous. Nous hésitons encore, d'ailleurs, à nous en séparer, même si nous réfléchissons à un nouveau circuit de diffusion. Et donc, la revue a évolué. Bien entendu, au cours du temps, l'épistémologie a évolué aussi, et donc elle est devenue, elle a privilégié la dimension sémiotique, elle est devenue une revue de sémiologie, et peut-être aussi, je dirais qu'elle aurait privilégié une fonction d'éveil en ouvrant des champs. Donc, elle a noué aussi de nombreux partenariats qui l'ont influencé. Et donc, elle a publié à ce jour 183 numéros, ce qui, évidemment, est un bail. Et la ligne éditoriale est restée cependant assez constante. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'une part
de faire le point sur des thématisations centrales dans les débats du moment. Il faut rappeler que tous les numéros sont monographiques, hein, donc c'est une revue à thème, hein. Toutes les publications sont thématiques. Et donc, par exemple, pour citer quelques titres, l'œuvre ouverte, le référent, la traduction, la réception, la notion de prototype, le code, l'image, la notion de transformation, voilà des thèmes qui ont mobilisé les chercheurs sur des publications uniques. Une deuxième constante est une interrogation sur le fonctionnement de la sémiologie. Il y a eu quelques numéros sur sémiologie et les relations avec l'anthropologie, les relations avec les sciences dures, les neurosciences, les relations avec l'herméneutique. Les enjeux de la sémiologie face à la société aussi, le rapport aux politiques, la question de la vérité qui revient d'ailleurs dans ce numéro sur la pandémie, les frontières de la représentation, la communication et la pandémie bien sûr, qui se situe dans ce champ. Alors un élément auquel on a contribué aussi, c'est celui de définir des sémiotiques territoriales. On a parlé de sémiotique du cinéma, de sémiotique du spectacle vivant à un moment où personne n'en parlait. Là, on a créé véritablement, bon, la revue a joué un rôle un peu pionnier, sémiologie de la bande dessinée, sémiologie de la musique, du conte populaire, de la publicité, du multimédia. Donc l'aspect des territoires de la recherche a été évoqué aussi, parfois d'ailleurs de manière très, très originale. Un numéro sur la main, par exemple, dirigé par Bouissac, hein, qui était assez en marge des recherches et en même temps paradigmatique parce qu'il a ouvert tout un champ dans les rapports avec l'archéologie, l'anthropologie. Bien entendu, comme toute revue, il y a aussi une fonction institutionnelle. La revue a aussi établi une cartographie de certaines sémiotiques nationales moins connues ou généralement moins connues. Hein. C'était le rôle de découvreur qu'on pouvait faire, un numéro sur la Corée du Sud, par exemple, ou sur la sémiotique en roumain. Alors voilà, je dirais c'est le panorama qu'on peut dresser de manière très très rapide et très succincte. Et puis nous en arrivons à ce numéro qui est d'actualité, hein, sur la crise sanitaire et les marqueurs sémiotiques. Donc là, je vais passer la parole aux auteurs. Simplement, je voudrais rappeler que l'objectif de ce numéro, ça a été finalement de réagir d'abord à un discours ambiant qui confisquait un petit peu la réflexion sur la crise et qui était le discours des épidémiologistes, des virologues, et la question du sens finalement était passée inaperçue. Et donc la sémiologie est le lieu, est la discipline par excellence qui pouvait poser cette question. Et en fait, deux pistes ont été suggérées au départ. Les auteurs les ont arpentées, développées dans des sens très très divers, bien qu'il y ait une vraie cohérence dans le développement du numéro. Deux pistes ont été suggérées. D'une part, c'est celle de la crise du discours qui a accompagné la crise sanitaire. Hein, quelque part, le coronavirus a aussi sa rhétorique. Et d'autre part, une crise de la réception. Et ces deux crises, je vais en dire un tout petit mot avant de céder la parole, ces deux crises, effectivement, il me semble qu'on peut très bien les désigner par le concept de variation, justement. Crise du discours, qui est une crise essentiellement, qui concerne essentiellement les modalités du discours dans sa variation, et nous avons essayé de faire la distinction entre la variance
qui est une reproduction évolutive, mais à l'identique, et la variation qui apporte un supplément de sens par changement de format, par recontextualisation. La question des mèmes, d'ailleurs, en est une belle illustration, puisque on est dans un processus à la fois de répétition et de transformation. Donc, cette crise du discours, à travers cette variation, elle nous semblait avoir trois caractéristiques que nous avons soumises aux auteurs. C'est d'une part la censure par excès, cette espèce de métastase du discours de crise qui est saturée. C'est la contamination des modalités du discours, le fait que le médiatique, le politique et le scientifique finissent par se confondre. Convaincre, décrire, commenter, instituer, bavarder, tous les actes de langage finalement se confondent. Et puis il y a une dimension performative aussi dans ce discours sur la pandémie, un effet monde, le fait que l'énonciation par exemple du déconfinement peut entraîner un lâcher prise total. Donc crise du discours, mais aussi crise de la réception, qui est essentiellement une crise qui pose la question de la référence, et de la question du partage des valeurs et des valeurs de vérité, en particulier quand le discours expert passe par des médias sociaux et qui s'inscrit dans une guerre des récits, finalement à quels critères sémiologiques le récepteur peut-il encore se fier dans la mesure où il n'y a plus de hiérarchie, le fait de surdire remplace la hiérarchie des actes de parole. Et d'autre part, la communication crée, j'allais dire, une vérité fatigue, puisque le but essentiel, c'est de faire communauté, de créer du contact dans des communautés fragmentées. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de viralité, évidemment, au sein du groupe. Alors derrière tout cela, il y a aussi une question axiologique. Et cette question axiologique, elle a été abordée pratiquement par tout le monde. Puisque véritablement les interactions sociales ont changé de sens et on peut se poser la question de savoir au nom de quelle valeur. Et donc, un certain nombre d'auteurs se sont posé cette question et je salue au passage Massimo Leone qui vient de nous rejoindre et qui se pose précisément cette question axiologique, cette question de rapport entre le virus, l'humain et l'animal dans sa communication. Donc voilà, disons très rapidement, le portrait qu'on peut dresser à la fois de la revue et les questions qui ont inspiré le numéro. Et donc je vais maintenant passer la parole, Isabella Pedini va nous dire à qui, mais en tout cas les auteurs vont certainement prendre la parole dans le décours de cette réunion, Françoise Jost, Gianfranco Marone et les autres auteurs qui nous ont rejoints, s'ils veulent prendre la parole, ils sont évidemment bienvenus. Merci. La seule chose que je vous demande est si les gens veulent acheter la revue, comment doivent faire? Des numéros anciens, comment faire? Oui, le plus simple est nous avons un réseau de librairies, bien sûr, ou alors la diffusion en librairie. Bon, c'est un objet papier, donc qui passe encore par cette structure obsolète qui s'appelle les librairies. Et d'autre part, nous avons il y a la possibilité d'écrire tout simplement au secrétariat de la revue et de passer commande par la voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Stefano Iacoviello, qui est un peu le conducteur de la discussion. C'hai il microfono spento, Stefano. Sono spento. Stefano, no, attends.
Je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je crois que tout le monde se connaît ici. De toute façon, Stefano travaille à l'Université de Sienne depuis longtemps et est vice-président de l'Association italienne de sémiotique. Et il est aussi un très bon musicien. Il travaille aussi pour la Chigiana, qui est une institution, l'Accademia Chigiana de Sienne, qui est une des plus importantes académies musicales en Italie et réputée dans le monde entier. Donc, je suis particulièrement contente qu'il ait accepté de conduire cette discussion. À toi. Juste une petite seconde, je voudrais saluer au passage Fernando Andact qui vient de nous rejoindre, qui est connecté à partir de l'Uruguay, il faut quand même le signaler. Ah, bonjour. Salut André, les copains, plaisir d'être ici. Salut, salut. Oui. Salut. Donc, je remercie Isabella pour cette très aimable invitation et pour avoir penser que je pourrais dire quelque chose d'intelligent sur le bon numéro de degrés édité par André Elbeau. Je ne sais pas si je vais dire quelque chose d'intelligent, les autres me pardonneront. J'espère être au moins efficace pour raconter le contenu des articles à ceux qui nous écoutent. Je commence par m'excuser, c'est la difficulté, m'excuser auprès de mes collègues et amis francophones. Je comprends bien le français, mais ce n'est pas la langue que je pratique habituellement. Donc, il m'est difficile de parler en français longtemps et puis le faire en public, comme ça, enregistré, crée une certaine honte pour moi à cause de la mauvaise qualité de ma langue. Puoi parlare in italiano, eh? La regola è che uno parla nella sua lingua. Bene, bene, no, era giusto per cominciare con magari parla lentamente, così è più facile. Sì, era giusto per cominciare con i francesi per dire che appunto avrei parlato italiano perché penso che comunque queste occasioni organizzate da Fedros sono delle situazioni utili per far passare delle idee, dei contenuti, delle ricerche fra una comunità culturale, linguistica e un'altra del mondo che in realtà componiamo, perché appunto siamo sommersi di informazioni e difficilmente, come diceva Massimo Leone in qualche riunione fa, sempre su questi canali digitali, difficilmente leggiamo cose che non sono direttamente legate ai nostri interessi e quindi questo sappiamo che ha portato poi all'incomunicabilità alla fine, a lungo, fra i diversi ambienti della semiotica nazionale e internazionale. E quindi, appunto, io appunto paradossalmente vado a parlare in un'altra lingua che non è quella in cui sono scritti gli articoli, ma per fare una vera e propria traduzione in termini lotmaniani. Quindi io spero che questa cosa mi verrà perdonata da voi. Vado a fare una descrizione generale dei contenuti della rivista, degli articoli della rivista e poi andrò a fare delle questioni, vedi, ora è difficile in due lingue contemporaneamente, e poi farò delle domande agli autori che sono collegati così, singolarmente. Io ringrazio Isabella perché qui c'è anche Gianfranco perché appunto all'inizio della crisi sanitaria abbiamo avuto l'occasione di tenere un'iniziativa dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici che riguardava un vero e proprio diario della pandemia, diario del coronavirus, in cui appunto abbiamo invitato i semiologi italiani e quelli che in qualche modo venivano raggiunti dalle nostre comunicazioni digitali a partecipare scrivendo una pagina di diario al giorno.
E subito ci siamo accorti che eravamo di fronte a delle trasformazioni. Abbiamo cominciato proprio i primi giorni del cosiddetto lockdown, confinement, insomma, la reclusione in Italia, e ci siamo accorti che eravamo di fronte a delle trasformazioni non solo delle pratiche sociali, che erano costrette appunto dal regime stabilito dalla Commissione Tecnica Scientifica per la Sicurezza Sanitaria, ma anche dal modo di intendere queste pratiche. Abbiamo visto che c'era un adattamento delle pratiche alla nuova situazione, che ha prodotto dei nuovi modi di fare e di sentire, ha insistito sulla misura dello spazio, del tempo e anche dell'identità di ciascuno di noi, ha modificato l'equilibrio anche fra le epistemologie delle scienze umane e delle scienze naturali, ponendole entrambe di fronte a domande che difficilmente si sarebbero poste, e non solo, nel rapporto anche con la divulgazione, nel rapporto con, diciamo, il senso comune e il pubblico dei mass media. Penso che diciamo, gli scienziati non si siano mai posti il problema di dover spiegare al pubblico perché c'era la possibilità che esistessero diverse ipotesi di verità, dato che il senso comune prevede che la scienza sia matematica e non abbia opinioni, ma soltanto certezze. Ugualmente le scienze umane si sono poste di fronte alla necessità di dover agire in supporto a questi problemi, capire come la gente capiva la verità, capire come attraverso i mezzi di comunicazione la verità di fatto veniva fabbricata, come dice Jacques Fontanin. E inoltre questa situazione pandemica ha attivato in maniera particolarmente efficace le funzioni della memoria culturale, facendo riemergere delle configurazioni che provenivano dal passato o proiettate dal futuro, che ci hanno aiutato a riconfigurare, a comprendere quella che era la condizione attuale. Non a caso anche il convegno dell'Associazione Italiana degli Studi Semiotici si chiamava Passato-Futuro e partiva anche quella da un'idea di riflessione sulla pandemia, ma appunto poi si concentrava proprio sul regime di storicità, sulla questione appunto della configurazione del tempo, a partire da qualcosa che di fatto lo sconvolgeva, un evento che appunto rischia di essere esplosivo ancora una volta in termini lottmaniani. E infatti c'è stato tutto un effluvio di pubblicazioni sulla pandemia, convegni, seminari, tavole rotonde, che però appunto offrivano l'occasione sia di misurare gli strumenti della ricerca di ciascuno sul contesto attuale, sia stimolavano a trovare strumenti nuovi per la teoria di fronte ad oggetti che in qualche modo si ponevano dei problemi. E i saggi di questo numero di Degré sono una buona dimostrazione di questa dinamica seguita dai diversi ricercatori, perché diciamo, sicuramente Massimo Leone, Jacques Fontanin, lo stesso Eric Landowski, ma in un certo senso anche Gianfranco Marrone e François Jost, che sono, diciamo, gli autori di cui conosco meglio i lavori rispetto agli altri, diciamo, hanno mostrato come il proprio percorso di ricerca potesse incontrare la situazione della pandemia per trovare degli spunti alla propria ricerca, e altri invece la possibilità di trovare degli stimoli a riconfigurare un po' quelli che erano gli strumenti utilizzati fino a quel punto. Quindi fondamentalmente si tratta di una variazione che comprende anche la teoria, è una variazione che comprende i punti di vista sul fenomeno che appunto abbiamo osservato. Di qui appunto il concetto fondamentale che viene espresso proprio da Paul Boussac all'inizio, cioè nel primo articolo della serie, è proprio questa idea di passare da un'idea sincronica di varietà a un'idea diacronica di variazione, passare dalla varietà alla variazione.
E proprio perché appunto l'idea è quella di pensare alla trasformazione e l'evoluzione, per questo il riferimento a Darwin, pensare all'evoluzione non come alla pandemia come un esempio, cioè un momento puntuale di un percorso evolutivo, ma pensare all'evoluzione come un processo continuo in cui appunto noi di cui noi riusciamo a fotografare soltanto alcune configurazioni sincroniche e invece appunto abbiamo difficoltà a percepire la trasformazione nel tempo. Il caso è proprio quello che mette in parallelo la teoria di Darwin con la linguistica di Saussure e la teoria di Peirce con la dialettica di Hegel e infine Kant con Grey-Mass, proprio per dimostrare questo rapporto fra la teoria e il problema della variazione come processo di continuo riequilibrio fra due o più sistemi in continua variazione e in continua interazione. Infatti, diciamo, uno degli altri temi che attraversano tutta la rivista è un po' quello della multinaturalità, che non sempre viene esplicitamente citata, e non sempre, appunto, in qualche punto viene fuori il nome di Descolà, ma appunto in realtà è un tema che percorre quasi tutti quanti i saggi contenuti in questa rivista. Il problema dell'equilibrio fra ecosistemi e la possibilità di avere punti di vista e articolazioni del mondo che sono, diciamo, coesistenti e da correlare in qualche modo. Però il problema della correlazione è il problema teorico da risolvere. Quindi, a guardare la rivista, io devo fare le mie congratulazioni a Elbo, perché è particolarmente coerente e ben congegnata, perché anche guardando il sommario si vede come il tema del problema dell'evoluzione darwiniana è centrale nel saggio iniziale e nel saggio finale, cioè quello di Paul Buissac e quello di Massimo Leone, appunto, in cui vengono richiamate in maniera esplicita e appunto c'è una correlazione. E poi appunto abbiamo delle sezioni, possiamo dire, una prima sezione di teorie dell'informazione mediatica che comprende gli articoli fondamentalmente di François Jost e di Jacques Fontanille. Abbiamo appunto l'articolo di Jost si occupa della viralità dei meme e della loro incidenza sulle trasformazioni del sapere sul mondo, della cultura, e sul legame di questo sapere, con l'appartenenza a delle comunità culturali che sono contemporaneamente locali e globali e sono correlate agli sviluppi dei social network. L'articolo di Jost è molto articolato, scusate il gioco di parole, ma appunto parte con una efficacissima opposizione fra l'idea di parodia e l'idea di meme e poi analizza appunto i dispositivi retorici che hanno a che fare con l'una e con l'altra, il riferimento ovviamente in breve, perché sennò appunto non c'è il tempo per fare il riassunto di ogni articolo, però i punti di Jost sono particolarmente interessanti perché stabilisce una differenza fra la parodia caratterizzata da una finalità artistica e il meme invece che ha una finalità diversa. Non c'è autorialità nel meme, non c'è una firma vera e propria, ma c'è un sistema attraverso cui è un elemento stilistico, una selezione stilistica che funziona da firma, perché in qualche modo rimanda al mock-up che viene utilizzato, questa struttura preformata che poi può essere utilizzata da chiunque per poter produrre meme, che non sono mai la copia uno dell'altro, ma sono una continua variazione. I meme di fatto si diffondono secondo una viralità che è basata sulla ripetizione, ma allo stesso tempo su una traduzione continua che li modifica ogni volta che vengono interpretati, e quindi Jost disegna un modello di viralità del meme che in qualche modo può essere
comparato con la viralità biologica, benché appunto la viralità biologica della pandemia è ovviamente disforicamente marcata, mentre quella dei meme è invece marcata euforicamente, perché rappresenta, rispetto all'idea di virus informatico che danneggia i nostri file, invece un'idea di potenza della comunicazione digitale che permette ai messaggi di diffondersi ovunque. Jost fa riferimento a Jeanette, ai dispositivi appunto retorici dell'ironia, all'idea di travestimento nella satira, e in qualche modo disegna tre regimi conversazionali, potremmo dire, a partire proprio dalla teoria di Eco, della cooperazione testuale, e elenca quelli che sono gli ingredienti per costruire un meme, e poi appunto pone una critica interessante al contratto enunciativo, che magari appunto riguarderà la domanda che gli porrò poi, subito dopo. Dello stesso argomento, della viralità, si occupa di... non ti sento, Isabella? Isabella? Forse puoi farla subito la domanda a Jost, così interagiamo. Benissimo, sì, va benissimo. Va benissimo, la faccio... in francese, magari. Sì, certo. Allora... Jost, sono tanti anni che viene in Italia, dovrebbe... No, j'ai le même problème. Je parle en français, parce que la question se va poser en français. Tout d'abord, je pense que il est important de remercier Jost d'avoir traité le sujet du même à travers les outils de l'analyse sémiotique sans céder ni à toutes les références neuroscientifiques ni à les compliqués taxonomies qui caractérisent l'approche de nouvelle génération. Non pas qu'il soit faux de se référer à d'autres domaines scientifiques, mais à mon avis, la cohérence épistémologique est une grande valeur ajoutée, car elle montre que les outils de la sémiotique ne sont pas si anciens en façon des objets nouveaux. Donc je pense que votre écrit, François Jost, est éducatif, avant tout. Donc la différence entre la parodie et les mèmes est claire. Donc, si la première a une finalité artistique, des revendications politiques ou poétiques, la seconde a une finalité ludique qui finit cependant par produire aussi des effets politiques liés à l'efficacité de la rhétorique de l'ironie. Comment dire, la blague, les mots d'esprit, Jost cite Choran, Woody Allen. Mais la première question, c'est ça, la différence entre parodie et mème semble également impliquer une différence de compétences. À partir de cette différence, est-il possible, à votre avis, de décrire la différence entre la figure traditionnelle de l'artiste et celle actuelle du maker, comme un filmmaker, sound artist, theater maker, sans perdre les implications politiques de leur action, bien sûr? Ça, c'est la première question. La deuxième question est que vous critiquez, comme je l'ai dit, vous critiquez la notion de contrat énonciatif. Vous écrivez « Tout document ou programme est annoncé, promu, classé, interprété en fonction de trois interprétants, le monde réel, le monde fictif et le monde ludique. Mais si l'interprétation s'exerce dans un terrain dont le périmètre est dessiné par ces trois mondes, les positions occupées par les divers acteurs de la communication ne sont pas forcément les mêmes. Il s'agit donc de placer les destinataires et les destinataires à un niveau contextuel sur ces trois dimensions, dont dépendent les intentions interprétatives ludiques, satiriques et sérieuses. À votre avis, donc, quelle est la relation entre le type de mème basé sur la décontextualisation, le dernier exemple que vous faites, et la logique du montage? Donc, ça sont les deux questions que je pose. Avec
pardon, merci beaucoup de votre lecture. La dernière chose que vous avez dite avec la logique du montage. Oui, la logique du montage, parce que vous parlez d'un positionnement de destinateur et destinataire dans l'acte de la communication, qui est un positionnement contextuel. Donc, je pense que c'est important en référence à la logique du montage. Bon, alors sur la première question, oui, ce que je montre, c'est que la différence entre la parodie elle-même tient moins à l'objet représenté que à la façon de représenter. C'est-à-dire qu'au départ, je penserais que les mèmes sont des objets plus prosaïques, qu'ils s'intéressent à des objets plus profanes. Or, ça, c'est une première erreur. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit que, par exemple, la Cena de Léonard de Vinci, qui est un de mes objets préférés, est aussi bien traitée par les parodies que par les mèmes. Je ne sais pas si Bianca peut montrer une image. Bianca, è possibile di mostrare una immagine? Oui, 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 oui. La première. La première. Sur la tienne. C'est possible, non? Un second, s'il vous plaît. Ok. Ah, super. Voilà, premier. Tout en haut, on voit une scène où tous le Christ et les apôtres sont des girafes, en fait, avec une tête de girafe. Ça se présente comme une parodie parce que, en fait, l'auteur qui signe, a une prétention à entrer, à jouer avec l'histoire de l'art. Et c'est une figure de substitution, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de la référence à la scène et on a essentiellement un remplacement des apôtres par des hommes à tête de girafe. Les mêmes, vous voyez, d'une part, utilisent du texte, et d'autre part, ils sont donc dans des figures d'adjonction, qu'on voit celle du bas ou celle de droite, où on a une opposition, et c'est là qu'on rejoint la question du montage. Beaucoup de mêmes fonctionnent sur une rhétorique extrêmement simple, qui est une rhétorique binaire. Où on oppose l'un à l'autre. Donc la grande différence, c'est pas la qualité artistique, c'est que l'une cherche à se légitimer, à légitimer l'auteur par l'art, alors que le seconde a une utilisation première qui est simplement de faire rire, et très souvent d'ailleurs, on ne sait pas du tout qui est l'auteur du mème. C'est très difficile à retrouver. Alors ça, c'est la réponse à la première question. Je pense qu'on peut enlever cette image. Pour la deuxième, sur le contrat énonciatif, bon, c'est vrai que ça n'est pas propre à cet article-là. C'est une théorie que je développe depuis des années, qui va à la fois contre, effectivement, une logique structurale et contre l'idée de contrat. Pourquoi ? Parce que je mets en avant que l'émetteur fait une promesse, mais que nul n'est besoin de suivre cette promesse pour interpréter un texte. Dans cet article, je montre par exemple que la distinction de Genette entre régime ludique, satirique, sérieux, classe comme des entités les différents types de parodies, mais que ce classement peut être totalement remis en cause par les utilisations dans la communication. Et je donne comme un exemple, en particulier un mème que j'ai mis
enfin qui n'est pas du tout évident. Alors je ne peux pas le montrer, je crois, oui. Ça montre des gens qui font des actes complètement fous, comme par exemple conduire très très vite en voiture. Et ensuite, on voit des danseurs, pole bearers, qui sont des Africains qui portent le cercueil sur les épaules en dansant. Donc, ça veut dire en gros, attention, il y a un risque énorme, vous allez vous tuer. C'est bien sûr, c'est d'abord ludique, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mème a été utilisé au Brésil et puis en Colombie, pour montrer les dangers de la contagion. On n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une essence qui du ludique ou du satirique, mais des usages qui vont à l'encontre, effectivement, de l'idée de contrat. Mais c'est quelque chose que j'ai développé sur toute l'histoire de la communication télévisuelle, que je dis ici en un paragraphe de façon, je pense, tellement rapide que j'aurais mieux fait de le couper. Mais voilà, c'est la suite de ça. Et je remarque que André et moi, on est en train de disparaître dans la nuit. Oui. Merci. Alors, Stefano, tu veux poser une question aussi à Gianfranco et à Fernando Andac? Bene, sì. Però non è necessario comunque. Come non è necessario? E anche a Massimo, certo. No, io a Massimo riservo... Massimo per ultimo, così sta. Io sono terrorizzato della domanda di Stefano. No, la domanda mia, figurati. Allora, ricordati, diciamo, che sei candidato. Proprio perché il tempo si... Giocando le ultime carte. Vabbè, ma tu proprio così, cioè già sono imbarazzato. No, la cosa è questa. Ma ce ne siete tanti qui candidati in questo momento. Possiamo... Va bene. Allora, diciamo che sorvolo su quello di Jacques Fontanille, che è ovviamente complicatissimo, ma molto molto interessante. Se arriva gli faccio anche a lui la domanda, perché secondo me è interessante, perché mette insieme le problematiche teoriche con una esigenza di efficacia diretta nel campo della politica, della semiotica, che a volte, laddove appunto si fanno delle grandi teorizzazioni, spesso sembra rimanere in secondo piano. No, comincio un'altra riunione. Vabbè, lo faremo in privato, Massimo. Massimo, parla. Scappando. Sì, sì, scusate, ho un'altra riunione che comincia adesso, c'è un'altra riunione che comincia maintenant, donc je dois malheureusement vous laisser, mais félicitations pour l'initiative splendide à Isabella, à toi, et bien sûr bravo à André Lebeau pour ce numéro qui est vraiment magnifique à mon avis. Donc je suis vraiment très heureux d'y participer et d'être parmi les auteurs. Bon, à la prochaine, ciao ciao. Bon, merci. Ciao, va grazie. Parleremo in privato allora. Comunque, insomma, quindi, diciamo, l'efficacia politica degli strumenti che vengono sviluppati nell'articolo di Fontanille per me sono abbastanza importanti, interessanti, e vale la pena di soffermarsi un attimo su quelli. Ma appunto la seconda sezione invece della rivista è quella che secondo me va diciamo dall'articolo di Eric Landowski fino a quello di Fernando Andacht, che hanno a che fare con effettivamente quelle che le pratiche, i comportamenti e le pratiche sociali. In modo particolare, diciamo, possiamo dividere questa seconda sezione, si può dividere in due parti a sua volta. Appunto, la prima, diciamo, quella dello sguardo sociosemiotico di Landowski e Marrone, la seconda, diciamo, delle analisi più puntuali su degli oggetti particolari, che sono il caso degli articoli di Buteau e di Andacht. Solo due parole sull'articolo di Eric Landowski, che come al solito, appunto, come quello di Marrone, sono tutte e due, come al solito, capaci di un'estrema chiarezza espressiva, ma anche di una particolare qualità letteraria, per cui la lettura di fatto è già un'esperienza affascinante, anche questa cosa rara per la semiotica. E quindi Landowski
e di fatto ci fa compiere la sua stessa esperienza emotiva vissuta durante la pandemia, gli ultimi mesi della pandemia, nel suo confrontarsi con la paura, lo sconforto, l'idea di dover cedere all'ineluttabilità della morte, o prendere coraggio, avere speranza nell'efficacia dei farmaci, delle scoperte scientifiche, e infine trovare una sorta di serenità, riappacificazione nell'idea di poter convivere con il virus. Ecco, questo è l'altro tema che viaggia un po', serpeggia in tutto il numero. Cosa significa convivere con il virus, che è una delle espressioni che sentiamo dire continuamente anche nel discorso politico. Ma il fatto è che questa linea dell'esperienza di cui vi ho raccontato in realtà emerge soltanto alla fine, perché Eric fa appunto una tipologia di tre regimi di interazione con il virus: quella appunto contro un nemico invisibile, ignoto, estraneo, imprevedibile e inevitabile, l'altra fra due sistemi invece che sono logicamente ordinati in una difficile ma possibile relazione di traducibilità, e con l'idea appunto che quando due sistemi vengono messi in relazione si ha la possibilità di comprendere in che modo siamo compartecipiamo, diciamo, della responsabilità della trasformazione. Quindi il virus non è qualcosa, non è l'estraneo che ha attraversato il confine fra questi due sistemi per creare una catastrofe, ma in realtà questi attraversamenti vengono fatti continuamente, non soltanto dal punto di vista concreto, biologico, ma da un punto di vista anche prettamente semiotico. E quindi questo è importante anche nel modo di porsi in relazione alla ricerca scientifica e comprendere i meccanismi della ricerca scientifica come lotta alla pandemia. L'ultimo regime è quello, diciamo, della vaccinazione, quello della convivenza con il virus, dove il virus si trasforma appunto in partner, in compagno, quindi diventa uno di noi dentro il nostro corpo e ci aiuta in qualche modo a combattere contro chi? Contro il male. Quindi il male, che all'inizio era apparso come appunto quella cosa tenebrosa, terrificante, contro cui non si può fare niente, contro cui si può solo decidere se, come nelle favelas brasiliane, abbandonarsi al contagio, nella promiscuità, oppure uscire e cercarsi un lavoro per sopravvivere in attesa comunque di ammalarsi, qui il male si trasforma in qualcos'altro. Noi e il virus possiamo combattere un male che a quel punto è addomesticato e comprensibile, e quindi si risviluppa questa possibilità di dialogo con la malattia in una sorta di riappacificazione epicurea. Invece l'intervento di Marrone è, diciamo, più legato idealmente a quell'esperienza del diario semiotico di cui avevo parlato, di cui appunto lui è stato curatore, insieme ad Anna Maria Lo Russo e a me, e il diario intimo di Gianfranco Marrone si diciamo, concentra su diversi esempi di pratiche, di eventi che si sono susseguiti durante i primi mesi della pandemia, e come al solito, appunto, con efficacia riesce a mettere a fuoco le cose e a spiegarle appunto in un sistema sempre critico e allo stesso tempo analitico. E quindi, troviamo il modo in cui si passa dall'allarme all'allarmismo, che è la stessa cosa che, per esempio, Fernando Andacht va a ritrovare nella programmazione televisiva uruguagia, dove appunto abbiamo un utilizzo, quindi salto da uno all'altro in questo caso, abbiamo appunto un... Fernando ci parla del fatto che i presentatori vengono infantilizzati perché devono esprimere lo stupore su qualsiasi cosa succeda, vengono utilizzati i bambini. C'è uno shock continuo fra appunto la tenerezza, la rappresentazione della tenerezza, e subito messa a contrasto invece con un rigore della comunicazione, rigore solo apparente della comunicazione scientifica, che deve
fondamentalmente creare un contrasto per appassionare lo spettatore televisivo, l'utilizzo di configurazioni che hanno a che fare con il calcio, e quindi appunto anche introdurre la sfida alla pandemia, la sfida dei medici alla pandemia, in una dimensione mitologica, come appunto giocare una partita a Bogotà, anzi alla Paz, scusate, giocare una partita alla Paz e essere senza fiato al secondo tempo, non poter vincere, avere qualcosa che naturalmente ci impedisce di esprimere la nostra forza, ma alla fine ce la faremo, tutto è possibile, ma alla fine ce la faremo. Ecco, nei saggi di Marrone appunto abbiamo dei focus differenti, quello su, diciamo, sulla cucina, dove appunto vediamo sfilare una serie di figure sociosemiotiche in relazione fra loro, dai nuovi panettieri che sono quelli che considerano il cucinare come un saper fare da esibire, i golosoni che mangiano raffinato anche di mercoledì e con l'obiettivo di divertirsi senza il pericolo di incorrere in punizioni dantesche. E poi abbiamo dall'altra parte abbiamo i cambusieri, quelli che accumulano ingredienti base per realizzare piatti alimentari di sussistenza, ma con quello spirito critico, col piglio critico contro la tendenza dei consumi, e infine, diciamo, gli chef stellati in pectore, quelli che si sentono investiti del sacro fuoco della sperimentazione gastronomica finché non cadono di fronte alle difficoltà di pasticci disgustosi che li fanno tornare poi alle più tradizionali pasta asciutte, ma con la consapevolezza di costruire ogni volta un'esperienza con un filo narrativo che unisce il loro piatto al racconto della tradizione. La conseguenza di queste attività gastronomiche è che alla fine si mangia tutto in casa, in casa si mangia meglio, anche per chi non cucina, anche se si mangia troppo, ma in realtà tutto nasce nel supermercato, che è il luogo dove si stabiliscono i nostri regimi alimentari, le nostre e le trasgressioni a quei regimi alimentari, oltre che i bisogni indotti dal braccio armato dell'industria alimentare. Ma io penso che appunto poi c'è una parte di attenzione alla prossemica, al recupero della prossemica, analizzare gli spazi e la dimostrazione del fatto che i media hanno agito non tanto sulla misura degli spazi quanto sul modo di intenderli, quindi non siamo stati allontanati, abbiamo parlato continuamente di distanziamento sociale, ma è il senso della distanza che è cambiato, che poi si va a ritrovare anche nelle modalità del saluto, nell'interazione del saluto che Marrone va ad analizzare, dove appunto si vede che in realtà fra tutte le varie soluzioni, alcune grottesche come il battersi i piedi, quindi trasformazioni, permutazioni di quelle che sono le modalità di saluto, poi si passa in realtà, cioè Marrone va a identificare anche una strategia di recupero e di ritraduzione di queste modalità di saluto, cioè invece di prendere e assumere usi che provengono da altre culture, quindi delle introduzioni senza traduzione di elementi extrasistematici nelle nostre modalità di saluto, si può invece rielaborare la prossemica del saluto con un inchino, uno sguardo negli occhi che stabilisce non solo il contatto fra le due persone e l'avvicinarsi, quindi un ridurre la distanza, ma questa ritraduzione delle modalità di saluto va a riequilibrare quelli che erano le asimmetrie di potere presenti nelle configurazioni tradizionali precedenti. Quindi di fatto le costrizioni della pandemia sono delle occasioni per poter riconfigurare le cose, ma e quindi avere anche degli effetti politici. Ma io penso che la parte più toccante, avvincente dell'intervento di Marrone sta proprio nella descrizione di quello che succede al corpo. Lui parla di tre corpi della pandemia: un corpo medicalizzato, che è quello... un corpo medicalizzato che appunto quello ridotto a spoglia,
che viene considerato come una macchina che deve funzionare finché è possibile. E dice una cosa molto bella, ora non la cito letteralmente, ma dice, almeno come l'ho interpretata io, in ospedale ci rendiamo conto di vedere sullo schermo delle macchine a cui siamo attaccati i frammenti di quello che eravamo prima. Cioè, di fatto, l'entrata del corpo in ospedale fa il corpo a pezzi, e noi nello specchio, cioè ci vediamo in questo specchio rotto, che è quella macchina che ci trasforma in dati quantitativi, numerici. E quindi questo è il corpo che, appunto, anche riferendosi all'espressione tedesca, rimanda anche al cadavere per certi versi. Quindi alla destinazione di questo corpo spoglia, un corpo vuoto, che è senza anima. Dall'altra parte abbiamo invece il corpo vita, il corpo proprio, quello che si riempie di percezioni, di esperienze emotive e che appunto vive nella socialità, nello scambio sociale. Chiaramente che succede? Che la pandemia ha ribaltato il fondamento della vitalità di questo corpo in mortalità. Quindi abbiamo un ribaltamento fra vitalità e mortalità, e il corpo diventa appunto la vitalità, il corpo vivente diventa una minaccia a se stesso, deve avere a che fare con la mortalità. Allora, fra queste due forme del corpo abbiamo la necessità di adattamento, che è quella che avviene dentro gli spazi chiusi delle nostre case, dove siamo costretti a riconfigurare lo spazio e lo spazio ci riloca in qualche modo, cioè ci ricostruisce, ci riconfigura, e scopriamo una nuova forma di vita in questa modalità di reclusione. Allora, nella trasformazione fra lo spazio di reclusione e lo spazio aperto della vita sociale, questo spazio non chiuso, che è quello della casa, che si articola appunto internamente attraverso delle funzioni che lo reinventano, appunto rompiamo lo spazio della reclusione. In questi giorni, in questi ultimi tempi, non si fa altro che parlare di una cosa che anche mi riguarda da vicino, che io sto seguendo da vicino, ovvero quella che riguarda la fruizione dello spettacolo dal vivo. Allora, appunto si dice, no, lo spettacolo dal vivo non è la stessa cosa, perché passa attraverso il monitor, è una cosa morta, e quindi appunto abbiamo di nuovo dei corpi morti contro dei corpi vivi, dei corpi spoglia contro delle esperienze emotive vissute soggettivamente. Quindi l'opposizione fondamentalmente è la stessa, quella che può funzionare analiticamente. Allora, da una parte c'è l'idea che, secondo me, queste opposizioni sono abbastanza un po' campate in aria, perché è come se si dicesse non si può ascoltare la musica sul disco. In realtà, dopo quasi 100 anni, ascoltiamo tranquillamente la musica sul disco e non pensiamo che non sia musica. Quindi, in realtà, si può fare, da una parte, questo chiedo a Gianfranco, così come stimolo, cioè, innanzitutto, che ne pensa dell'esperienza mediata rispetto alla corporeità nella fruizione dello spettacolo dal vivo, e riferendosi alle tante cose che ha scritto, anche riferendosi a Barthes e così. E poi un'idea se appunto la sociosemiotica o etnosemiotica degli strumenti di fruizione attraverso i media possono in qualche modo essere legate a un'idea di ricostruzione della spazialità. Quindi, cioè, la domanda in breve è: l'esperienza dello spettacolo dal vivo può essere vista come una riformulazione della spazialità e dei corpi ad essa legati? Gianfranco? Eccomi qua. Allora, grazie Stefano, grazie Isabella, grazie. Je voudrais aussi remercier Monsieur Elbeau parce que là, c'était dans cette revue magnifique un texte qui n'est pas un texte scientifique, mais il s'agissait de quelques choses que j'ai écrites pour un journal italien. Et donc, j'ai inventé le titre de journal intime, mais il s'agit bien sûr des articles de journal en général. Grazie Stefano per la
per la lettura veramente molto attenta di questo testo che hai. Io mi ero preparato a raccontarlo, ma tu l'hai fatto benissimo, quindi ti ringrazio due volte. Io perché l'hai fatto benissimo, sì, perché l'hai fatto al posto mio, quindi perfetto. Ovviamente la tua è una domanda retorica, perché tu la risposta già la sai e la sai meglio di me, questo è assolutamente evidente. Io mi sembra che nel primo articolo che avevo scritto in questo... L'ho riletta oggi questa cosa mia, devo dire che mi è piaciuta, sono molto soddisfatto. È una cosa che è nata, come dire, fenomenologicamente, a poco, come in quei primi mesi che oggi ci appaiono lontanissimi, in cui ci succedevano queste cose, giorno per giorno dovevamo cercare di capire che cosa ci stesse succedendo, e con questa, come dire, introduzione in questa configurazione fantascientifica in cui ci troviamo adesso, a cui ci siamo già abituati. E quindi allora succedevano delle cose, e su queste cose cercavamo tutti di riflettere, come quel diario semiotico che pubblicavamo su EC e su Facebook, come hai ricordato tu poc'anzi, che è stata una bella esperienza. Diciamo, noi l'abbiamo interrotta semplicemente perché un DPCM ci ha detto che ha finito tutto, il che non era assolutamente vero, eccetera. Ma oggi credo che siamo passati appunto da una fase in cui poteva avere senso scrivere un diario, tenere e quindi pubblicare un diario semiotico. Oggi siamo in una fase, direi, completamente diversa, in cui ha molto più senso fare cose come De Grè, dove invece si non dico a posteriori, perché ahimè ancora non siamo a posteriori, ma insomma un po' dopo possiamo ripensare al passato. Per quanto riguarda la tua domanda, la risposta ovviamente sì, ma quella tu la sai molto meglio di me. Nel primo di questi articoli stavo dicendo, o nel secondo, non mi ricordo, ma forse nel secondo, sì, quello sulla prossemica, 9 marzo, quando per la prima volta si iniziò a riprendere questa parola che oggi abbiamo ripreso tutti, Isabella e tanti altri, questa idea di prossemica che stavamo dimenticando, che a un certo punto la pandemia ci ha riportato, ahimè, a ricordarcela. E là io notavo appunto come nei discorsi mediatici che venivano fuori in quei giorni, che sono praticamente gli stessi, tant'è che tu le stai ricordando adesso, non perché tu faccia un discorso mediatico, ma che stai riportando il discorso dei media, cioè che appunto si pone una falsa opposizione tra le esperienze corporee da un lato e quelle mediate o mediali dall'altro. Ovviamente le esperienze sono sempre corporee e mediate contemporaneamente, quindi è chiaro che non stiamo passando da un'esperienza corporea o sensoriale pura, tra virgolette, a una mediata impura, ma stiamo passando da una ad un'altra, quindi evidentemente si tratta di una riconfigurazione dello spazio e del corpo contemporaneamente. Come ci ha insegnato in uno dei saggi migliori Isabella Pezzini, quando parlava dello scarafaggio di Kafka, le due cose si coniugano insieme. Ho finito. Grazie, ma vogliamo, grazie Gianfranco, scusa Stefano, dimmi. Vogliamo sentire Fernando? Sì. Che anche lui ha scritto sui media, quindi se vuoi dire tu qualcosa o... No, posso dire... Forse... Però appunto vi faccio subito una domanda, sono molto curioso, tanto più o meno ho detto il contenuto del saggio. Do you prefer to speak English or Italian? Is okay? C'est la même chose. Je comprends bien l'italien. Je te réponds en français, si tu veux. Ok, perfetto. Sono molto curioso di una cosa che ho trovato nel saggio di Fernando, e che nella TV uruguagia, con la pandemia, sono comparsi i politici e gli scienziati. Con l'idea che prima non fossero così presenti. In una situazione italiana dove praticamente in televisione ormai ci sono soltanto politici e scienziati, ma anche da prima, è interessante come forse, quello che ho capito, e chiedo quindi se ho capito bene di descrivere meglio questa situazione, se in realtà questi politici e scienziati sono entrati in una sorta di quadro di genere dove appunto
la messa in scena è la stessa di quella appunto di che Melo Chronicle, come lo definisce Andacht. È una trasformazione, cioè sono delle figure che entrano nel genere del Melo Chronicle, oppure è il genere televisivo che si trasforma in talk show differente? Bon, Stefano, je te remercie d'abord par ta lecture si attentive et intéressante. Et j'utilise le terme de mélochronique, que c'est ce que j'ai utilisé bien longtemps, même dans quelques publications avec François Jost, mon collègue et copain, sur le reality show, parce que je pense qu'il y a une grande mise en scène mélodramatique. On a maintenant, un an après, comme disait Gianfranco, nous sommes déjà des vétérans, nous sommes déjà des vieux, on a de l'expérience sur la pandémie, et je compare cette mise en scène mélodramatique des atrocités pour une maladie, une épidémie, bon, si on veut, une pandémie, qui a une létalité de moins de 1% de l'humanité. C'est vraiment une asymétrie étonnante, n'est-ce pas? Et ça, j'écris un essai un peu comme vous avez décrit avec ces journaux intimes en Italie. J'écris plusieurs textes dans une revue en ligne uruguayenne qui s'appelle Extramuros, un peu marginal. Et c'est bien intéressant les réactions de l'opinion publique parce qu'on cherchait à décider, tu parles des politiques, ici un peu en Uruguay, c'est toujours comme si on était à la guerre froide. Toujours il y a un désespoir pour savoir si tu es de gauche ou de droite. Pas si tu as raison, si tu as de bons arguments. C'est un dualisme qu'en Perse, le fondateur de la sémiotique le décrit très bien. Les dualismes, c'est la doctrine irrationnel qui fait une division absurde de tout en deux morceaux sans connexion et surtout sans explication. Et je crois qu'on a été très heureux que le nouveau gouvernement qui a commencé le 1er mars, tandis que la crise sanitaire a été déclarée le 13 mars, midi mars, avec le gouvernement qui venait de s'installer, en contraste avec l'Argentine qui a eu le lockdown, ici on l'appelle quarantaine, n'est-ce pas, la fermeture de tout pendant des mois et des mois en Argentine, avec des situations vraiment absurdes, surréalistes, comme un père qui sortait d'une province en Argentine pour mener sa fille pour un traitement oncologique très important, et après on ne laissait pas retourner à sa province, à sa maison. Il devait, comme dans un film totalement fou, porter sa fille, laisser la voiture et porter la fille sur ses bras pour qu'on les laisse entrer dans sa propre province. À tel degré est arrivée la folie, hein, la folie monte, comme l'appelle André Comte Sponville, qui j'aimais beaucoup écouter récemment sur l'Internet, les philosophes français, qui a fait plusieurs réflexions, surtout en citant Montaigne, dont il est un expert, et disant que la seule chose qu'il faut craindre, c'est la peur. Non, la seule peur qu'il doit avoir, une société doit avoir, c'est la peur de la peur. Et je pense que, j'insiste, nos nouveaux politiciens, notre présidente est assez jeune, n'a pas choisi de faire les lockdowns, que c'est absolument audacieux, parce que je vois que c'est les discours les plus précautionneux, les plus asphyxiants pour la population et négatifs de tout point de vue, de mon opinion, dans mon avis. Il appelait ça avec un slogan que j'aime beaucoup, s'appelle la liberté responsable. Liberté responsable, non? Je n'ai pas aimé autant une phrase qui n'est pas à lui, qu'il même a cité comme venant de l'extérieur, qui c'est the new normal. Traduit en espagnol, c'est encore pire, c'est la nueva normalidad. J'imagine en français, c'est la nouvelle normalité, peut-être en italien, j'imagine la nueva normalità ou quelque chose comme ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de sinistre. Comme Freud le dirait, et je cite Freud, je crois, dans mon article à Degré, et je remercie André Elbeau pour l'invitation, pour pouvoir réfléchir
un peu phénoménologiquement et aussi scientifiquement sur ce qui était en train d'arriver à ces moments, que c'est un grand risque toujours, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une maladie strictement politique, les traitements mélodramatiques à mon pays est expliqué surtout par un groupe de scientifiques qui s'appelle GACH en espagnol. C'est un acronyme qui veut dire le groupe des scientifiques honoraires, n'est-ce pas, qui appartiennent la plupart à l'université publique où je travaille, dans l'école des communications. Et sont eux qui donnent des avis de comment traiter les différents problèmes qui sont en train d'arriver tout le temps, n'est-ce pas? Et maintenant, comme dans tout, partout dans le monde, l'étape de la vaccine est arrivée. Mais je crois que la sémiotique, à mon avis, a beaucoup à dire sur les médias, parce que si ce n'était pas par cette fonction théâtrale 24 heures, 7 jours à la semaine, tout le temps, en montrant le monstre, en travaillant, comme tu viens de dire, entre la tenerezza, c'est un mot intraduisable, difficile à traduire en anglais, j'ai utilisé un livre de 2018, je crois, sur cute, the power of cute, le pouvoir, je ne sais pas comment dire, même en français ou en italien, même en espagnol, il n'y a pas d'une bonne traduction de cute, ça serait une espèce de douceur charmante, ce qu'on dit des enfants, n'est-ce pas, quand quelque chose te touche. C'est mignon en français. Mignon, mignon, exactement. Cute, ça serait le mignon qu'on dit d'un panda, d'un ours, n'est-ce pas, un ourson, ou d'un bébé, ou d'un enfant, difficilement d'un adulte, même si c'est un homme ou une femme très belle, dit pas normalement. Et je crois qu'on a cherché cet effet, n'est-ce pas, des réels, comme dirait Barthes, de produire l'arrivée du monstre, ces monstres géants qui ont fait une animation du SARS-CoV-2, hein, que c'est tout à fait gratuite. Et comme tu l'as dit, les présentateurs ont essayé tout le temps, je ne parle même pas consciemment, de réduire cette audience totalement captive, prisonnière, parce que où est-ce que tu pouvais aller les premiers mois? Mars, avril, mi-mai, même s'il n'y avait pas les lockdowns, tout est fermé, l'éducation, n'est-ce pas, comme partout, les grands centres commerciaux, etc., tout était fermé. Et donc, je crois qu'il y a eu un peu de sadisme des médias, des gros médias. La télévision a né encore une fois, hein, et parce que, comme tout le monde le sait, les adultes, enfin, tout le monde est en train de se déplacer, ou était en train de déplacer jusqu'à 2020, de la télévision vers les réseaux comme Netflix, etc., Amazon, Hub et tous les autres. Mais à partir du moment de l'émergence ou la crise sanitaire, la télé est devenue la source principale des informations, mais surtout, pour, à mon avis, de ce mélodrame gigantesque, de ces mélochroniques, c'est-à-dire une mélodramatisation qui a eu comme but, conscient ou pas, d'immobiliser, de paralyser toute vue critique, de nous rendre des enfants qui craignent de même sortir de la maison, même si c'était possible, n'est-ce pas? Et j'ai écrit un essai qui, en espagnol, le titre c'est « Un long voyage de la peur à la raison », où j'ai décrit en termes très personnels comment, à un moment donné, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, que les mesures prises dans mon pays, au moins, vis-à-vis la maladie, n'étaient pas symétriques, que c'était quelque chose d'absolument exagéré, monstruifié, n'est-ce pas, à travers les deux extrêmes, les mignons doux et les mignons, on peut le dire, amers, comme le décrit ce monsieur, « the power of cute », le pouvoir du mignon, ça serait « of cuteness », non, de charmant. Et je pense que la télé, quand j'analyse par exemple mon moment favori à la télé, c'était ces petits enfants appelés Renzo d'une petite école de campagne. Je me souviens du film « Être et avoir », le documentaire très fameux français, n'est-ce pas, où on montre une école dans une ville à la montagne, où tous les différents âges sont mêlés dans une même salle de classe. Et ici, une journaliste a interviewé ce petit Renzo qui, avec son langage enfantin,
a pour moi atteint un niveau de mignonne, n'est-ce pas, un élément, ce serait Kutenheit, ou quelque chose comme ça, si c'était Heidegger, de tendresse émouvante insupportable, n'est-ce pas? Et c'est comme si cet enfant était né pour arriver à ces moments-là, avec ses micros et ses caméras, pour toucher le cœur des Uruguayens et leur dire comment il fallait se laver les mains, comment il fallait rester à la maison, et surtout pas penser. Arrêter totalement la pensée critique, indépendante, autonome et se laisser guider en tout par cette télévision, ces médias qui étaient amplifiés de façon incroyable pendant toute la journée. On a des le téléjournal classique était de 7h30 à 8h30 à peu près le soir, le plus important. Mais non, c'est 3h. 3h, l'édition principale. Il y a une autre le matin, il y a une autre bien le soir à 11h30. Et pendant le matin et pendant l'après-midi, il y a en plus des programmes, des nouveaux programmes journalistiques, et tout ça en seul interprétant, comme j'ai dit dans mon article, un seul but, que c'est faire les gens avoir peur, faire les gens obéir, hein, d'une façon qui ne peut pas aider à une société démocratique. J'étais témoin des scènes vraiment bizarres, n'est-ce pas, kafkiennes, dans les supermarchés, aux côtés de la plage, nous savons ça, à la capitale où je vis, où j'habite, à Montevideo, une très belle marché comme à Rio de Janeiro, très longue, des kilomètres à côté de la mer. Et j'ai vu des scènes à la télé insupportables où les gens qui marchaient sans le masque, parce que c'est au grand air et c'est la mer et c'est tout, c'est l'oxygène, être arrêtés, être pratiquement jugés live, pourquoi ils sortaient de la maison, pourquoi ils respiraient comme ça, et surtout des gens âgés, c'était vraiment pathétique. Et donc je crois que c'est, à mon avis, la sémiotique peut développer une espèce de critique de la vie quotidienne, n'est-ce pas, pour montrer une autre perspective qui ne n'est pas négationniste ou conspiranoïque, comme on dit souvent, quand on veut arrêter tout débat pour simplement faire un ad hominem, c'est-à-dire accuser la personne d'être folle, d'être absolument charlatan, etc., qui ne sait rien des sciences. Mais la science est assez complexe, évidemment, ce n'est pas mon champ, ce n'est pas ma, comme on dit au Brésil, ce n'est pas ma mia praia, ce n'est pas ma plage, n'est-ce pas, ce n'est pas où je suis experte, je n'ai pas compétence. Mais si j'ai des amis qui sont des épidémiologues, des biostaticiens, enfin des gens qui comprennent très bien tous les problèmes que les tests ont, que l'épidémie, comme je disais, qui a moins de 1% de létalité, que ce ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ou qu'il n'y a pas de malades, ou qu'il n'y a pas de morts. Mais je suis très très content d'avoir pu m'exprimer de cette façon dans l'article, comme dans de nombreux essais que je suis en train d'écrire depuis juin de l'année dernière et que je continue à écrire. Et merci beaucoup pour cette invitation. Isabella, stai presentando questa copertina di un libro che... Sì, scusate, non riuscivo a trovare più il microfono. Sì, lo scopo di questi incontri sarebbe anche quello di condividere le nostre bibliografie, e quindi volevo citare questo libro che sta uscendo in Italia, curato sempre da Gianfranco Marrone, Edizione Migliore, sulla competenza esperta, dato che appunto gli esperti sono stati uno degli attori principali del discorso della pandemia. Effettivamente questo libro esce nel momento giusto. Si tratta di articoli che riprendono un convegno tenuto a Urbino l'anno scorso, credo uno degli ultimi a cui ha partecipato Paolo Fabbri, di cui mi piace ricordare un articolo proprio intitolato Varianti, variazioni e varietà,
un articolo che si riferiva alle tante traduzioni intersemiotiche di Pinocchio, e che ovviamente faceva soprattutto riferimento a Jemslo, e che veramente in questo volume di De Grey non ho trovato tanto. E niente, volevo solo fare questo. E poi volevo dire a Giosta che anche sui memi c'è un notevole lavoro in Italia, interesse in Italia, e anche qui c'è una discussione accesa sul fatto che in semiotica possiamo accettare questo termine senza, questo termine che evidentemente fa parte del linguaggio quotidiano, senza sottoporlo a una critica rigorosa, dato che il meme è diciamo assolutamente diverso dal gene, malgrado il famoso appunto libro di Dawkins in cui mette in relazione le unità culturali con i geni. Quindi sono tutti temi che appunto, come quello sulla naturalità, eccetera, che questa pandemia ha portato in primo piano, e effettivamente penso che gli semiotici in questo momento stanno facendo un notevole sforzo di comprensione e di messa a punto anche di tutta una serie di concetti, di temi, e stanno dimostrando che la semiotica ha gli strumenti per affrontare anche questi discorsi. Gianfranco, volevi dire qualcosa? No, mi sono mostrato semplicemente per mostrare un gesto di gratitudine nei tuoi confronti che hai mostrato a tua volta questa copertina. Credo che sia proprio l'ultimo intervento, l'ultima, no, l'ultima l'ha fatta, però insomma uno degli ultimi interventi di Paolo a un convegno che avevamo organizzato a Urbino nel 19, se non mi sbaglio, insomma l'ultima volta che l'abbiamo fatto dal vivo. Sostanzialmente c'è dentro persino Jacoviello, figuratevi, che ha scritto un bellissimo testo sulle competenze e incompetenze musicali in cui riprende un mio quadratino e lo rifà molto meglio di come l'avevo fatto io, quindi non cesserò mai di ringraziarlo. Ecco, mi voglio appunto sottolineare che anche questa, diciamo, questa federazione romanza dovrebbe proprio avere il ruolo di far conoscere a tutti, perché per esempio io ho trovato interessantissimo anche adesso l'intervento di Fernando, perché non so se la televisione italiana ha scelto questa cosa del melodramma. Penso di no, tutto sommato. Più che sì, forse quando c'è stato il lockdown c'erano tutte queste pubblicità con le città vuote, però ecco, anche noi siamo stati subissati di talk show, di informazioni, e tuttora. Però ecco, la dimensione poi diciamo, il dibattito da un lato tra gli esperti che spesso litigavano fra loro e dall'altro con i politici ha dominato, e quindi forse anche una dimensione più dialettica, penso, che non emozionale, autoritaria. Ecco, non so cosa ne pensano gli altri, ma. Io volevo dire una cosa sul Qt, se posso. Certo. C'è questo problema di traduzione appunto del Qt nelle altre lingue. Noi ci siamo arrivati dal giapponese, perché c'è un bel libro sulla cultura giapponese in cui parla molto, mi immagino che queste cose Bianca le conosce meglio di me, si parla molto del kawaii. Non so se si pronuncia esattamente così, però diciamo è più o meno la traduzione del cute inglese, che è appunto quest'idea che nella cultura giapponese, nella società giapponese contemporanea è molto presente l'infantilizzazione.
E quando è stato tradotto in italiano questo libro l'hanno tradotto con carino, con tre i, quindi che hanno cercato di inventare un termine per renderlo in qualche modo. Ho finito, volevo dare solo questa informazione. Bianca, volevi mostrarci gli altri meme di sì, Jost? Così ce li commenta. Je ne sais pas si c'est possible sans tout le discours qui va avec. Oui. Vous pouvez montrer. Si vede, non? Si, si vede. Ok. Insomma... Male? Vabbè, allora male. Non vi vedo io, quindi vi sento solo. Sì, adesso si vede. Est-ce que vous pouvez montrer le suivant? Oui. Ok. Oui, ça c'est les premiers mèmes pendant le confinement. Dans cet article, mon idée c'était d'essayer de montrer que les mèmes n'étaient pas des phénomènes simples malgré les apparences. Et la question que je me suis posée, c'est une question qui vient directement de Umberto Eco, qui est à quelles conditions peut-on reconnaître qu'une image copie une autre ou imite une autre. Alors ici, par exemple, je ne sais pas du tout si pour un Italien ou un Uruguayen, cette image a le même sens que pour nous. Je pense que pas du tout, en fait, parce que évidemment, il y a une opposition binaire très simple entre celui qui fait la guerre vraiment et puis celui qui regarde la télé sur son canapé. Mais en fait, la chose importante là-dedans, c'était la phrase « Nous sommes en guerre », qui est la phrase qui a été prononcée par le président Macron. Ce qui fait que, en fait, cette image est moins une critique du français qui est avachi sur son canapé au lieu de réagir, qu'une critique du président de la République. Alors, bon, évidemment, c'est un contexte qui, je pense, est un petit peu lointain pour vous. Est-ce qu'on peut voir la suivante? Oui. La seconde. Bon, ces mèmes sont intéressants parce que, en fait, quand on les analyse, on voit dans le premier confinement en France combien la peur a été grande. Et je ne sais pas si ça a été pareil en Italie ou en Uruguay, mais le premier réflexe des Français, ça a été d'acheter du papier hygiénique, et donc le PQ. Et donc, on voit ici comment, dans 3245, on découvre un reste de la civilisation des années 2000. Alors, l'image suivante. Voilà. On peut monter. Oui. Alors, ça, bon, cette image est intéressante parce que on a en haut la bataille de l'Aldi. Alors, une camarade, une sémioticienne argentine m'a écrit pour me dire qu'elle ne comprenait absolument pas cette image. Et effectivement, elle est, je pense, difficile à comprendre si on ne sait pas que Aldi est un supermarché, une chaîne de supermarchés allemande. La connaissance, cette image demande effectivement, pour être interprétée, un certain nombre de connaissances. D'une part, le fait qu'on renvoie à un supermarché allemand, d'origine, enfin de capitaux allemands. Deuxièmement, évidemment, qu'il y a une sorte de réalisme soviétique. Alors là, j'ai pas mis l'image que j'avais vue, enfin la réalité que j'avais vue avec justement avec André, où on avait vu en Bulgarie des bas-reliefs ou des hauts-reliefs exactement de ce genre.
On voit donc ici que ce qui est propre au même, c'est que il est certainement viral, mais finalement on ne sait jamais d'où il vient. Vous voyez qu'on peut reprendre Aldi, la bataille d'Aldi qui est un supermarché, ou la bataille d'Auchan qui est une autre marque de supermarché. Mais pour comprendre celle de droite, là j'ai eu plus de mal parce que ne comparant pas le néerlandais, je ne comprenais pas ce qui était marqué. Et je me suis aperçu en regardant la traduction, enfin en enquêtant un petit peu, qu'en fait Albert Heijn était non pas une personne, mais aussi un site de supermarché. Donc là, on voit comment effectivement le même est quelque chose d'assez facilement national et que on peut les différencier, ce que j'ai pas encore fait dans cet article, mais on peut se poser la question jusqu'où, comment finalement comment passe-t-on de l'épidémie à la pandémie. C'est-à-dire que ce même Aldi Auchan est d'ordre épidémique, c'est-à-dire qu'on peut le comprendre tout à fait en France. En revanche, ce qu'on va voir par la suite, gagne l'ensemble, peuvent être compris partout globalement. Alors, on peut montrer le suivant. Alors, on peut voir celui-là. Ce qui est la différence, là, on voit très bien sur cet exemple la différence entre la parodie et le mème, bien sûr, on reprend le cri de Munch, qui est un des tableaux qui est le plus repris aussi, comme la scène de Léonard de Vinci, mais dans les commentaires, personne ne parle de l'aspect artistique de cette image, c'est-à-dire personne ne revient, ne commente l'aspect artistique, et donc il passe complètement à travers. Chacun, en revanche, discute le contenu et le fait que dans cette pandémie, ce qui paraît le plus horrible, c'est de manquer de papier hygiénique. Donc on voit très bien que sur un exemple comme celui-ci, que le type d'interprétation demandé n'est pas du tout le même pour la parodie et pour le mème. Alors, on peut passer au suivant. Voilà, alors celui-ci, je l'ai pris parce que là, on a un mème quasiment, effectivement, international, qui ne peut être compris. Je pense qu'il est à peu près impossible à comprendre si on ne voit pas le sous-texte. Alors là, vous voyez que vous avez un roi qui est porté par des pions aux échecs. Pour comprendre ce mème, en fait, il faut avoir vu quelque chose qui n'est pas dans ce PowerPoint, que je ne peux pas vous passer, qui est le Paul Bearers. C'est-à-dire, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce mème extrêmement court qui fonctionne comme l'effet Kuleshov, en fait, de façon binaire, entre un accident très grave qui se produit et les porteurs de cercueil au Ghana qui dansent en même temps qu'ils portent le cercueil. Et donc, il y a on voit cette image extrêmement brutale d'une catastrophe et le cercueil. Ici, évidemment, c'est il reste de l'image de départ des Pearl Bearers, il ne reste que la position d'une pièce d'échec, le roi, sur d'autres pièces d'échec. Donc on a un niveau d'abstraction, en fait, assez complexe, qui suppose de suivre très très fortement, finalement, les phénomènes médiatiques. Alors, pour le dernier, vous allez voir jusqu'où ça peut aller, effectivement, sur la dernière image, là, si je vous demande ce qu'est cette image, évidemment, je pense que je n'aurai aucune réponse exacte. En fait, cette image représente l'implantation de mosquées en France. Alors, pourquoi ça représente l'implantation de mosquées en France? C'est assez difficile à comprendre, parce que un chroniqueur d'extrême droite, assez connu en France, avait rapproché
le fait que le parti des écologistes, les Verts, avait la même couleur que les musulmans, le vert. Et donc, il y a eu toute une série de mèmes qui ont été faits où on voit des objets verts ou des paysages ou des gens avec une chemise verte qui renvoient à cette déclaration de Zemmour, qui est un chroniqueur français. Donc là, on arrive à un point où on voit que le mème est un phénomène qui s'adresse qu'à des gens en fait qui ont le même univers la même perception de la réalité, qui sont extrêmement au courant de l'actualité, et donc c'est une figure totalement étonnante qui demande la mobilisation de très nombreuses encyclopédies et qui sont c'est une image totalement excluante pour ceux qui n'ont pas évidemment ces encyclopédies. Voilà. Alors je vais continuer en fait à travailler dans ce sens-là en allant justement vers quels sont les mèmes qui peuvent communiquer l'international. Enfin, comment les mèmes peuvent fonctionner de façon internationale alors que la plupart du temps ils demandent une communauté d'encyclopédie très très grande. Merci. Et c'est un ritmo. Merci François. Je dois dire que par exemple la Siamo in guerra a été repris tout à fait en Italie aussi. On a beaucoup discuté cette affirmation de Macron en disant oui, non, on n'est pas en guerre. Bon. La phrase de Macron a été connue en Italie? Oui, oui, absolument. Et on l'a aussi utilisé comme élément de polémique en disant non, ce n'est pas une guerre. Ouais. Ouais. Bon, alors, je pense que c'est le moment de terminer cette réunion qui a été très intéressante pour moi. Et je pense que c'est une bonne idée de lire aussi, de ne pas seulement écrire, mais de temps en temps de nous lire réciproquement, surtout les revues qui doivent, à mon avis, reprendre leur mission, disons comme ça, d'être un peu la pointe de la recherche, montrer la recherche dans ce moment, d'actualité, disons comme ça. Et pour finir, je veux vous dire que lundi, il y aura une autre réunion FEDROS. Je vois pas les... J'avais ouvert... Un moment, j'ouvre la fiche. C'est toujours un peu difficile, là. Bon, de toute façon, lundi soir, il y aura à 19h, il y aura une réunion avec un groupe de São Paulo, Bay Vidas, qui va présenter les recherches du groupe de São Paulo, Brésil, qui sont en train de faire en ce moment. J'avais la fiche, mais je n'arrive pas. Ecco, voilà. Je vous le montre. Et de toute façon, il y a un groupe Facebook de FEDROS où vous pouvez trouver les infos, un site internet. Et donc, j'espère que vous allez continuer à suivre nos initiatives. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Elbo, et merci à tout le monde. Alors, je voudrais remercier Isabella et la FEDROS de nous avoir accueillis. Et j'ai beaucoup apprécié ces débats à la fois conviviaux et extrêmement riches. Merci. Merci à tous. Merci. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, tout le monde. Ciao. Ciao.